Alors, nous sommes toujours sous le process Angèle Show, l'émission qui met en valeur les personnes inspirantes à travers le monde. Nous sommes ici aujourd'hui avec Léonce. C'est quelqu'un qui fait un travail vraiment formidable. Et j'ai décidé de lui faire une interview et il a accepté. Donc, il va nous expliquer qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Bonjour Léonce. Bonjour chère Angèle. Merci pour l'invitation. Je vais vous laisser vous présenter. C'est difficile de se présenter soi-même, je vais essayer. Je m'appelle Léonce Mbadi. Je suis journaliste, communicant et auteur. J'ai 24 ans d'expérience professionnelle dans les médias et la communication. Je suis aussi le président fondateur de la semaine d'Afrique des solutions. J'ai une dizaine d'ouvrages engagés solutions en Afrique. D'accord. Voilà brièvement ce que je peux. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, vous venez d'où, qu'est-ce qui vous a amené là où vous êtes maintenant à faire ce trajet-là, à mettre en valeur des solutions, qu'est-ce qui vous y a amené? Ben, moi j'ai toujours travaillé à valoriser ceux, celles qui font bouger les lignes. Exactement. Un peu partout dans le monde. Et donc, grâce à mon média, j'ai quand même pu connaître pas mal de solutionneurs africains et occidentaux. Et donc, c'est un média 100% solution consultif et participatif. C'est là où, c'est ça qui m'a permis donc, de voir le potentiel que nous avons sur le continent, la créativité de nos jeunes, leur détermination à changer l'ordre des choses, à créer des solutions pour répondre à certaines autres. Je l'ai toujours fait depuis bientôt 24 ans. Ah oui? 24 ans parce que j'ai créé mon média à notre voix. Je l'ai tout à l'heure le 21 octobre 2002. Donc, j'ai travaillé au moins dans une vingtaine de médias. D'accord. Internationaux. Francophone international à Paris ici. FI, qui est une revue internationale. On appelle ça Tout va bien, qui est basé à Lyon aussi. Un magazine spécialisé dans la solution. Tout à fait. J'ai travaillé dans pas mal de médias. Et alors, qu'est-ce qui vous amène à travailler dans les médias? Pourquoi pas le sport, l'agriculture pourquoi? Je suis passionné par l'écriture, par la littérature et par l'information constructive. D'accord. Donc, j'aime écrire, j'aime enquêter, j'aime, je suis curieux. J'aime crier, j'aime bouger, j'aime travailler, j'aime découvrir, j'aime informer, j'aime communiquer. Donc, ça fait partie de mes passions. D'accord. Donc, vous êtes originaire, si j'ai bien compris, du Bénin. Vous avez vécu au Bénin? Vous avez travaillé au Bénin ou Bien sûr. Au Bénin, j'étais le directeur de la communication du ministère de l'Intérieur jusqu'en 2016. D'accord. J'étais attaché de près de la préfecture de Cotonou, la plus grande du Bénin, pendant 4 ans. D'accord. Jusqu'en 2015. J'ai géré la communication de l'ancien président Yahi Boni jusqu'en 2016. On a continué jusqu'en 2020. D'accord. L'ancien premier ministre Lionel Zinsou. Oh, que je connais. Qui est un père pour moi. Et donc, je suis beaucoup plus dans l'information et dans la communication aussi. Voilà. Quand vous vous levez le matin, vous dites « Ah, je m'en vais travailler ». Qu'est-ce qui vous motive? C'est une question piège, hein? Je sais. En fait, tout me passionne dans le journalisme. C'est ça. Tout me passionne dans le journalisme. À 4 heures du matin, il m'arrive de me lever pour écrire un article. J'aime écrire, j'aime tout ce qui est nouveau, tout ce qui fait avancer la société. Ceux qui le font, j'aime les mettre en lumière. Donc, j'aime écrire, il m'arrive d'être même sous la douche et puis une idée. Je sors immédiatement. C'est ça, excellent. Le temps passe tellement vite. Quel conseil vous pouvez donner à des jeunes? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous admirent. Quel conseil vous pouvez donner à des jeunes qui ont envie de faire la belle carrière que vous faites et de devenir aussi journaliste de solutions? Ah, ma vie, elle est... c'est une vie très difficile. J'ai raconté un peu mon histoire dans l'un de mes ouvrages, La Noblesse du Lion. Mais il y a un autre que je réserve au public qui sort en septembre prochain. D'accord, donc vous sortez un ouvrage. Je sors deux en septembre prochain. Deux en septembre prochain. Différents ouvrages en septembre prochain. D'accord. Et donc les gens peuvent venir à la mairie du 16e pour Ah ben je viendrai.
J'ai tout commencé jeune. Je suis jeune, hein, mais à bas âge. Oui, 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 oui. Aussi, quand je vous dis que j'avais 4 ans d'expérience, ça veut dire, ouais, c'est donc, ça. J'ai tout commencé à bas âge. Et donc, ma vie, elle est faite d'épreuves, de défis, de difficultés de toutes sortes, de sacrifices. Parce que pour arriver à ce niveau, il y a un prix à payer. Il y a un prix. Et la question qu'il faut poser aux jeunes est de savoir, est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix? Parce que beaucoup veulent réussir, beaucoup veulent aller de l'avant. Mais est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix? Parce qu'il y a un prix à payer pour toute chose. À mon âge, j'ai eu la chance de gérer la communication d'au moins 5 chefs d'État sur le continent. De travailler avec des personnalités en Afrique et ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire qu'il y a un prix, il y a un sacrifice. Donc c'est ce sacrifice que j'essaie de payer au quotidien, m'améliorer, d'apprendre. Parce qu'il y a un objectif à atteindre, cet objectif, c'est ce. Comment nous allons faire ensemble pour bâtir cette Afrique nouvelle que nous voulons. C'est ça. Donc les jeunes doivent savoir que au-delà de ce prix, de ce sacrifice qu'ils doivent faire, il faut qu'ils se donnent des objectifs clairs et précis. Ce n'est pas parce que Jeanne a un commerce, Jeanne vend des tomates, et que ça marche pour Jeanne, exactement, que Pierre aussi va se dire, mais ah, puisque ah, moi aussi je veux le faire. Non. Chacun a son destin. Chacun a sa route. Chacun a son chemin. Le plus important, c'est de pouvoir trouver ce chemin. C'est de pouvoir identifier ce chemin, de l'emprunter, de se donner des valeurs, des principes, et de se fixer des objectifs clairs et précis. D'avoir un rêve, que ce rêve soit réaliste et réalisable, et de se battre pour se donner les moyens pour le réaliser. Il faut aller jusqu'au bout. J'ai vécu des choses que j'ai racontées dans cet ouvrage qui sort encore en septembre prochain. Et quand vous allez le lire, vous aurez une autre image de moi. Vous allez comprendre que celui qui est en face de vous aujourd'hui, c'est ça. C'est un homme résilient. Un homme résilient. Je m'envoie de très grandes ambitions et j'aime me battre pour les réaliser. Il faut aussi dire aux jeunes, il ne faut jamais compter sur les gens, il ne faut jamais compter sur quelqu'un. Ce n'est pas parce que votre père a les moyens financiers que vous allez compter sur lui pour vous engager dans l'entrepreneuriat, par exemple. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un long fleuve tranquille. L'entrepreneuriat, c'est le futur. Mais ne s'engage pas dans l'entrepreneuriat qui veut. On ne s'engage pas dans l'entrepreneuriat pour sortir du chômage. C'est vrai. C'est parce qu'on a un projet. C'est vrai. C'est parce que ce projet répond à un besoin. C'est parce que ce projet apporte une solution à une problématique locale, par exemple. Mais si vous vous engagez dans l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent, pour sortir de la pauvreté, vous serez déçu très vite. Donc, il faut de la discipline. La réussite est dans la discipline. Exactement. Dans la discipline, il y a la cohérence, il y a la constance, il y a le sacrifice, il y a la rigueur, il y a beaucoup de choses. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont prêts, à travailler dans ces conditions? Les Chinois ont créé le TikTok. Vous voyez comment ils font avec le TikTok? Exactement. Et comment nous on fait en Afrique? C'est vrai. Donc, il faut de la discipline, il faut de la concentration pour bâtir la vie. Un peu plus sur l'Afrique des solutions. Je vois que ça vous passionne, hein? Ouais. L'Afrique des solutions, je l'ai dit tout à l'heure que c'est une ambition. D'accord. Donc, chaque année, nous sortons un ouvrage 100% solution. Parce qu'il ne s'agit pas de rassembler les gens dans une salle et de bavarder inutile. Nous voulons faire du concret. C'est ça. Nous, notre génération, nous n'avons pas vu grand-chose. On nous a dit à l'école, à l'université, que telle a fait ci, telle a fait ça. Mais on n'a jamais vu. Comment nous allons faire pour que les générations à venir ne puissent pas venir sur un continent sur lequel il n'y a rien, mais qu'elles viennent dans un monde où il y a de l'existant et elles pourront s'en inspirer pour mieux faire. Qu'on leur raconte l'histoire de ceux et celles qui ont fait l'Afrique avant cette nouvelle génération. Et que ces ouvrages aussi puissent être enseignés à nos enfants, à l'école, à l'université, au collège, dans les lycées, pour les inspirer. Aujourd'hui, lorsque vous demandez, vous prenez 10 jeunes Africains et vous leur demandez, mais qui vous inspire? Ils vont vous donner des noms de Netflix, des noms de Hollywood, des gens qui ne connaissent même pas. Mais ils ont raison, parce qu'ils n'ont pas de boussole.
Ils n'ont pas de repère. Parce qu'ils n'ont pas de modèle. Pas que ça n'existe pas, ça existe, mais on ne leur en parle pas. C'est ça. Donc, nous allons faire en sorte que ces ouvrages que nous éditons chaque année puissent se retrouver dans les écoles, dans les universités, pour les enseigner à nos enfants, les former, les sensibiliser et les motiver. Donc, dans 2, 3, 4, 5 ans, nous allons réussir à amplifier les initiatives de l'Europe africaine pour que les Africains d'abord comprennent que l'Afrique est un continent de solutions, un continent d'espoir, un continent d'opportunités. Et le fait de le répéter et de le démontrer, dans 5 ans, 10 ans, nous allons changer les narratifs. Nous sommes aussi en train de mettre en place une web télévision, une web radio et un magazine solution 100%, un magazine 100% solution dédié à l'Afrique. D'accord. Parce que nous formons 50 journalistes chaque année aux journalistes de solutions. Ce qui se fait jusque-là, c'est que quand les confrères viennent ici se font former, quand ils repartent dans la pays, il n'y a plus rien. Et donc nous sommes conscients de ça, nous sommes dit non, on ne va pas les former et les larguer comme c'est souvent le cas. Ce n'est pas une activité touristique, c'est vraiment professionnel de congrès. Donc on vous forme et on vous maintient dans un écosystème qui fait pour que... qu'il y ait le suivi, pour qu'il y ait l'évaluation. Tout à fait. Pour que les gens ne soient pas formés pour la forme, mais pour que ce qu'on leur donne comme enseignement puisse leur permettre d'améliorer leur productivité au quotidien et que les meilleurs parmi eux puissent être recrutés pour animer ces différents canaux. Regardez, cher Angèle, l'Afrique, c'est le seul continent au monde qui ne dispose pas de ses propres canaux de communication d'information. Nous sommes en 2024, au 21e siècle. Tous les autres grands pays, ils en ont. Mais nous, en Afrique, nous n'avons pas une télévision internationale. Nous n'avons pas une radio internationale. Nous n'avons pas un journal international. Et donc, pour parler, pour porter nos voix, nos valeurs, nos principes, pour dire quoi que ce soit, nous sommes obligés d'aller négocier sur les autres. Ils peuvent refuser comme ils peuvent. Exactement. Donc, nous sommes en train de travailler pour essayer de changer progressivement. J'invite tous les Africains et les amis de l'Afrique. Parce que l'événement, ce n'est pas un événement africain. Ce n'est pas un événement entre-africains. C'est un événement international. Parce qu'il y a des solutions européennes, françaises, américaines qu'on peut utiliser pour régler des problèmes en Afrique et vice-versa. Et vice-versa. Donc, si nous enfermons entre nous, on ne règle aucun problème. Il y a des Français qui aiment l'Afrique, même tout à fait, plus que des Africains, c'est vrai. C'est donc, on doit pouvoir s'ouvrir à tout le monde pour bâtir cette Afrique-là ensemble. Nous avons aussi institué les ambassadeurs de solutions pour l'Afrique. J'aime beaucoup cette énergie que vous dégagez et ce message que vous portez. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voulez parler, qu'on n'a pas évoqué? Est-ce que vous voulez dire un dernier mot? Parce qu'il faut la terminer, cette émission. Un dernier mot. D'abord, un mot de gratitude. Un mot de reconnaissance, de remerciement à l'endroit de toutes ces personnes qui sont engagées dans le projet. Je ne suis pas seul, il y a une équipe qui travaille pour ce projet, composée de femmes et d'hommes debout, disponibles, dynamiques, créatifs et déterminés. Donc, à leur endroit, je veux dire merci. Nous le faisons pour l'Afrique. C'est ça. Nous le faisons pour les générations actuelles et futures. Ensuite, c'est aussi remercier toutes ces personnalités qui ont cru en moi. Ce n'était pas, c'était pas facile, mais aujourd'hui, nous avons réussi à drainer pas mal de personnalités africaines et internationales qui sont totalement engagées dans le projet. Ensuite, c'est d'inviter nos frères, nos sœurs, les Africains et amis de l'Afrique, en Afrique et dans les différentes diasporas, à s'engager dans ce projet. Que chacun se l'approprie. Ce n'est pas un projet de Léonce, c'est un projet de tout le monde, c'est un projet international, ça appartient à tout le monde, c'est un concept de France, il faut que chacun puisse se l'approprier. Et se l'approprier, c'est donc de participer à toutes les activités qui auront lieu en septembre prochain, à la mairie du 16e, du 20 au 21, et puis du 17 au 19 octobre, au Maroc, à Rabat et à Casablanca. Et donc, pour qu'ensemble, la main dans la main, dans la confiance, dans la transparence, nous puissions contribuer à bâtir la Fédération. Ceux qui ne sont pas engagés dans le projet l'année dernière, certainement ils seront cette année. Donc il faut pas, c'est un événement ne pas manquer. Il ne faut pas le manquer pour qu'on puisse vous le raconter. Après, ça ne sera pas de la même manière si nous vous arrivez à faire ça. Qu'on soit nombreux à venir voir les solutions africaines, à venir voir les dernières innovations,
qu'on soit nombreux aussi à venir voir le journalisme de solution. Beaucoup ne savent pas de ce que c'est. Ne savent pas, exactement. J'ai posé la question tout à l'heure. Beaucoup ne savent pas de quoi il est question, le journalisme de solution. Mm-hmm. Il faut que les gens puissent voir de quoi il est question et surtout en quoi il peut contribuer à accélérer la solution sur le continent. Parce que tous ces entrepreneurs qui créent des solutions, ça va se limiter là. Mm-hmm. Lorsque Elon Musk veut lancer ses fusées dans l'espace aux États-Unis, ce n'est pas lui qui coûte derrière les médias. C'est les, sont les médias qui coûtent derrière. Et en Europe, ici, ce sont les médias qui valorisent les solutions. Mais en Afrique, ce n'est pas encore le cas. C'est vrai. Les gens sont obligés même de payer les médias. Même ici, en France, ça se fait. Vous avez certains médias africains qui vous demandent de payer. Par exemple, un entrepreneur qui a déjà du mal à avoir accès au financement pour développer sa solution, il le fait difficilement. Si vous lui demandez encore de payer 1500 euros, avant de l'interroger, il va trouver ça où. Donc ça fait partie des facteurs qui handicapent sérieusement l'entrepreneuriat innovant sur le continent dans la diaspora. Tout à fait. Donc il faut qu'on arrive à mettre en place une grande famille composée d'entrepreneurs et de médias. Entrepreneurs, créer des solutions, médias, les récupérer, les valoriser et les amplifier. Et qu'on trouve la formule pour renforcer ce lien entre les deux composantes, que ce soit les entrepreneurs et les médias. Parce que les deux doivent travailler de pair, la main dans la main. Il est de l'intérêt des médias africains de mettre en lumière les solutions africaines. Ce n'est pas quand un média occidental va le faire qu'on va courir derrière pour dire ah, oui, c'est on a vrai. Pris, on vous a vu par, vous avez été interrogé par tel média, ben on est intéressé. Mais pourtant, on vit dans le même pays depuis des années. Exactement. Mais vous ne m'avez pas calculé, mais il a suffi qu'un média étranger parle de moi et puis vous voulez. Il faut pouvoir créer cela et surtout remercier les médias africains. Il y a des efforts qui sont faits, il y a des sacrifices qui sont consentis, des médias africains, des journalistes africains, que ce soit en Afrique et dans la diaspora. Il faut vraiment les remercier, les féliciter et les encourager à mieux faire. Ils sont capables de faire davantage, de faire encore plus. Et je crois qu'ensemble, nous allons réussir à promouvoir le journalisme de solution en Afrique et dans la diaspora, le journalisme constructif, d'impact pour que dans 5-10 ans, les gens comprennent qu'il y a énormément de solutions en Afrique et qu'il n'y a plus de solutions en Afrique. C'est magnifique. Bon, notre mission est terminée. Donc, vraiment, merci infiniment d'avoir accepté de m'accorder cette interview. Je suis Princesse Angèle. Donc, je suis la fondatrice de cette fameuse chaîne qui interviewe les personnes inspirantes, hein, comme vous pourrez le constater par vous-même. Et j'ai découvert l'Afrique des solutions par hasard. Parce que c'est un de vos membres, un de vos ambassadeurs qui m'a invité en disant bah, « Tiens, puisque tu es de passage à Paris, viens, on a un événement, l'Afrique des solutions. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et je suis venue, mais entre deux rendez-vous. Et en fait, j'étais émerveillée. Je suis venue vous voir. Hein, j'ai dit « Il faudrait qu'on se parle et tout ça. » Et après, bon, ça a pris le temps que ça a pris. Et je suis vraiment contente de voir comment ça évolue, comment ça avance. Et je voulais vous dire devant la caméra que vous pouvez compter sur moi si vous avez besoin de moi, de mes services ou de promouvoir ou de faire passer un message, je vous ouvre ma porte, je vous ouvre ma caméra, voilà. C'est à moi de vous remercier pour l'engagement, pour le soutien. Ça montre à suffisance votre attachement profond à l'Afrique et votre amour profond pour ce continent. Ce que vous faites, c'est énorme. Mais il faut faire en sorte pour que ça puisse laisser des tâches indélébiles dans l'histoire. Pour que les jeunes qui vont venir, les générations qui vont venir après, puissent savoir que Angèle a fait ce travail-là. Je l'ai dit tout à l'heure que ce qui nous manque en Afrique, c'est qu'on ne laisse pas de traces. Il faut laisser des traces pour que d'autres aussi puissent, d'autres jeunes filles, jeunes garçons, puissent s'inspirer aussi de ce que vous faites. Donc, si malgré tout ce que vous avez fait pendant 28 ans, vous continuez, ce travail-là, sur le terrain, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, je crois que vous méritez d'être célébré, vous méritez d'être honoré. Et on doit pouvoir le faire, vous le dites, de votre vivant. C'est ça, du vivant. Pour nous, pour nous, en Afrique, c'est après notre départ. Exactement. On ne commence pas à pleurnicher, ni pour y laisser ça, alors que comment la personne était là, vivante, on ne la calculait pas. C'est ça. Il faut honorer, célébrer les gens de leur vivant. De leur vivant. Il faut leur dire de vivre, voir ce que vous faites, ça contribue à bâtir l'avenir. Vraiment bravo, continuez. Et quand les jeunes vont voir ça, ça va les inspirer. Ça va leur donner la force, ça va les motiver. Ils vont faire plus que ça. Donc je crois qu'on va garder le contact et continuer à mobiliser, à ratisser l'âge pour que tous les Africains, tous les amis de l'Afrique, que ce soit les Français, les Américains. L'année dernière, il y avait plus de 30 délégations. Vous l'avez remarqué, il y avait même des gens qui sont venus de la Chine, du Japon, du Canada, des États-Unis, d'un peu partout, qui sont venus.
ça va être pareil cette année, pour que ensemble nous puissions co-construire l'avenir. Chacun viendra avec son expérience, avec ses valeurs, avec, comment on appelle ça, quelque chose de plus. Et quand chacun va amener un peu, ensemble, ça va faire avancer le monde. Et si l'Afrique bouge, et elle bouge déjà, mais elle a la possibilité de bouger encore plus si nous-mêmes, nous l'aidons, nous l'accompagnons dans cette dynamique positive qui est en cours sur le continent. Donc il faut que les gens se déplacent massivement. Nous allons lancer la billetterie pour que les gens puissent avoir accès à toutes les activités. La billetterie, c'est 259 € pour participer à toutes les activités. Il y a nos stands qui sont à 420 €. Donc si quelqu'un a une solution à présenter, projet, on appelle un produit et service innovant ou durable. Nous tenons beaucoup plus compte aussi du côté écologique du développement durable, puisque même cette année, la thématique porte sur les ODD. On ira voir les solutions, quelques solutions au niveau de l'éducation, de la santé, des nouvelles technologies de l'environnement, quelques solutions en lien avec les ODD qui existent pour pouvoir les mettre en valeur. On peut prendre des stands, on a aussi des paquets ici, des gens des partenaires. Et des sponsors, vous pouvez aussi nous contacter au +33 07 88 69 52. Nous serons là pour pouvoir essayer de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Donc, investir dans la semaine d'Afrique de solutions, c'est investir dans l'Afrique de solutions. C'est ça. Donc, par exemple, les livres que nous sortons, les fonds permettent à financer l'activité. Comme je vous l'ai dit, c'est une association qui organise l'événement. Et donc, nous n'avons pas de parrain, pas de marraine. Donc, ce sont des femmes, des hommes qui se mettent ensemble pour faire cette activité-là. Donc, cette année, nous sortons deux ouvrages. Les recettes vont permettre à financer. Je vous ai dit que c'est une très grande ambition que nous avons. Il y a le musée digital que nous sommes en train de mettre en place, le web radio, web télévision, les magazines. Ça demande, il faut les financer. Qu'on appelle l'organisation pratique de l'événement. Ça coûte beaucoup de choses. Nous avons aussi comme projet de mettre en place la première école de journalisme de solutions en Afrique. Tout à fait. Et que ce vraiment une école professionnelle. Pour aller au-delà des formations classiques. Je suis d'accord pour vous accompagner dans les formateurs. On avait l'expérience et la capacité. Exactement. De donc, nous allons mettre en place cette école-là. Ça va être une école numérique. Tout à pour fait. Permettre aux gens, d'y participer, peu importe là où ils sont. Là, ils seront. J'en profite que vous soyez là pour vous dire que, en fait, avec le Princesse Angèle Show, on a mis en place une initiative digitale et on a créé, en fait, pour les femmes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en Afrique, il y avait beaucoup de femmes qui avaient une grosse fracture numérique. Et on a mis en place une initiative digitale pour former les femmes au digital, au numérique. Donc, nous serons ravis de collaborer avec vous. Bien sûr, vraiment ce sont ravis. Des initiatives à encourager. Exactement. Tout ce qui permet de faire bouger les lignes de nos communautés. Les femmes font des choses extraordinaires sur le continent. Elles sont formidables, elles sont exceptionnelles. Donc, il faut les valoriser, il faut les mettre en valeur, il faut les promouvoir. Il faut leur dire ce que vous faites, ça permet de faire bouger les choses sur le continent. Donc, je crois qu'il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas ensemble. Pour valoriser cela, et dans nos ambassadeurs cette année, on a beaucoup de femmes. On a beaucoup plus de femmes. De femmes que d'hommes, j'ai vu un peu. C'est très bien. Moi, je suis une fervente défenseur de l'égalité des genres. Donc, Moi, j'avoue qu'il y a beaucoup plus de femmes engagées dans la classe. J'ai vu ça. Que d'hommes. J'espère que les hommes aussi vont continuer à travailler. Ah oui, ils vont continuer. Mais vraiment, les femmes sont dynamiques, sont braves, et sont reconnaissantes. Par rapport à, je pense à toutes ces femmes, à Myriam, à Welge, à Asma, Sharaf, Carole, à pas mal d'autres. C'est vraiment énorme quoi, ce que chacun apporte sur ce grand projet. Rosie, également, fait beaucoup également dans le cadre de ce projet. Marlise. Bien sûr, il faut les encourager et sur le connaissant par rapport à ce que chacun apporte ce projet. Vraiment, merci. Et puis, on se dit à très vite et j'ai hâte de vous retrouver. Oh oui, je ne vais pas vous lâcher. C'est bien à Paris, le 20 ou 21 septembre, et puis au Maroc. J'espère que vous serez au Maroc. Ah oui, mais j'y serai. Je travaille avec un groupe d'entrepreneurs marocains dont je vous parlerai hors caméra d'ailleurs. Très, très dynamique. Très dynamique. Bon, merci beaucoup, Léonce. On aurait pu faire durer cette émission deux jours entiers, mais à un moment, il faut bien s'arrêter. Bien merci beaucoup et à très, très vite. On reste en contact. Vladimir. Alors, vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais.
fait, c'est de dire aux uns aux autres, ne regardez pas mon âge, ne regardez pas ma corpulence. Mm-hmm. Derrière, il y a une machine mm-hmm. au service de l'Afrique. Mm-hmm. Magnifique. Je vais finir par ça. Hein?